C'est toujours un match important, on le considère aussi comme un derby. Ce n'est pas forcément un derby régional, mais c'est un derby par rapport à la distance qu'il y a entre les deux clubs. C'est un derby, j'ai envie de dire, plutôt entre amis, parce qu'il n'y a pas de suprématie régionale en jeu. Et il y a surtout trois points très importants pour la suite de la saison. Et nous, si on veut recoller sur notre objectif qui est dans les cinq, il faut impérativement aller chercher quelques points à Auxerre. Je pense qu'on reste sur ce qu'on a fait depuis début septembre, la fin du mercato. On est l'équipe qui est troisième au classement sur cette période-là. Donc on est vraiment en forme et il faut continuer. Et si on veut accrocher ces cinq premières places, il va falloir laisser très peu de points pendant les prochains matchs. Il faut aller chercher une série de victoires, c'est ce qui nous manque. Pour l'instant, on est à faire des bons résultats, un peu moins bons. Donc du coup, c'est vrai que une série de victoires nous ferait vraiment du bien et c'est ce qu'on va aller chercher déjà à Auxerre. Disons que le calendrier, c'est vrai, si on regarde, on pourrait se dire il est favorable parce qu'on a joué tous les gros sur ces deux mois. Moi, je me rappelle, il y a deux ans, quand on est monté, on a joué tous les gros à la fin, on les a tous battus et du coup, c'est des confrontations directes et du coup, ça leur permettait pas de prendre des points. Donc, je ne me suis pas trop attardé sur le calendrier. Ce qui est surtout important, c'est nous, quoi. C'est nous ce qu'on va en faire de ces derniers matchs. Et si on fait une grosse série, c'est ce qui peut nous amener dans les cinq premières places. Il faut qu'on fasse une série sur ces 8-10 derniers matchs. Et j'aime bien jouer ces matchs contre Auxerre parce que c'est là où j'ai commencé. J'ai beaucoup d'amis là-bas, mais je pense que j'en ai à peu près... Je ne sais pas, il faudrait faire les stats, peut-être un peu plus gagner, mais ça, c'est ce qu'on pense toujours dans la tête. On pense toujours qu'on a plus gagné, mais ce n'est peut-être pas forcément le cas. Mais en tout cas, Auxerre, pour parler d'Auxerre, c'est vraiment une équipe qui n'est pas à sa place par rapport à la qualité de ses joueurs. Moi, j'ai le match aller, c'est vraiment une très belle équipe avec de très bons joueurs. Donc, on a vraiment un adversaire très difficile en face de nous demain soir. Je crois qu'on est à notre position en ce moment. On est sixième, on est bien, je sais qu'on peut encore faire mieux, donc on a les qualités, on a un groupe capable d'aller chercher ses places du dessus, donc pour l'instant on est bien, on est en position de chasseur et voilà, il va falloir mettre un coup d'accélérateur pour aller chercher les premières places. Je me sens bien, c'est vrai que j'ai pas beaucoup joué pendant cette période hivernale, entre janvier et février, donc je me sens prêt pour ce sprint final et finir fort, donc voilà, je me prépare tous les jours, que ce soit à l'entraînement ou en dehors, pour être prêt, pour être le mieux possible par rapport au temps de jeu que je vais avoir et d'être tout de suite prêt quand je rentre dans les matchs, parce que c'est ce qui est mon cas sur les deux derniers matchs. Ça fait vraiment plaisir, c'est sûr que c'est flatteur donc, d'entendre le public sonner son nom, donc ça fait vraiment plaisir. Après, c'est vrai que moi j'ai toujours privilégié, vous le savez, depuis le début de ma carrière, l'esprit d'équipe, c'est avant tout le plus important. Mais après, c'est vrai que c'est un plaisir d'avoir un stade qui se compte son nom. L'impression d'être adopté par les Troyens, donc ça fait plaisir. Moi, j'ai le cœur Troyen, et voilà, donc ça fait vraiment plaisir.